Cette convention, c'est un moment de partage, un moment d'échange avec tous nos partenaires, tous nos franchisés, pour vraiment mettre en valeur la progression de GigaFit, qui est en train de devenir le numéro 1 du fitness en France. Moi, ce que j'attends de la convention, c'est de connaître la politique commerciale à venir, le développement du groupe. C'est l'occasion pour nous de rencontrer tous les franchisés et les futurs franchisés. Il y a vraiment peu de réseaux qui le font. Tous les franchisés qu'on n'a pas l'occasion de voir durant l'année, on échange sur différentes thématiques, des problématiques, on voit les fournisseurs. J'ai été convaincu par leur concept à partir du moment où je l'ai découvert sur Fitness Challenge. Très pressé d'ouvrir sur Dijon mon futur club. Tout de suite tombé sur GigaFit. Il fallait que j'ouvre une salle qui était multi-activité avec du poids libre, du bidet, des cours courts, du cross-training. Le point fort, bah, effectivement, comme on le répète, c'est la communication massive de GigaFit. On va pas se leurrer, c'est vrai que le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, on capte une clientèle très large. J'ai commencé mes pré-ventes un petit peu avant les travaux, 2 semaines. On est à 457 contrats signés. Donc c'est pas des problèmes. Une communion en fait qui se fait et c'est assez sympa pour le boulot, ça redonne une énergie et une motivation pour le reste de l'année. GigaFit est un acteur incontournable et le sera encore plus dans les années à venir. GigaFit numéro 1 des services premium.